Les amis, bonsoir, bienvenue sur Five Star Tarot. Il est 20h02 avec, et il est 22 degrés et 20h02. Je commence ce reading, donc je vais vous faire le divin féminin ce soir. Donc, parce que hier j'ai fait le divin masculin. Merci à Lifers, Real Lifers pour les 50 E, ça me fait extrêmement plaisir. Real Lifers, je te remercie pour les 50 E. Merci à toi. Ça me fait super plaisir et j'ai lu ton message, je t'en remercie. Et merci à Sylvie Lassalle, merci pour les 22h09, ça me fait extrêmement plaisir. Merci Sylvie et merci pour ton message, je sais pourquoi bien entendu. Et merci à Clément Ferrarin pour les 50 E, ça me fait extrêmement plaisir. Clément, je te fais des gros bisous, donc merci. Et merci à Chantal Helbig pour le 11-11, ça me fait extrêmement plaisir. Donc merci à vous pour vos donations. Allez, je commence direct avec... la divine féminine, parce que j'ai fait le divin masculin hier, donc ce soir on fait la divine féminine, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous, parce que moi, je n'ai rien en stock pour vous. Et vous allez me dire, tiens, Jay, tu déblatères pas ce soir, t'es pressé. En fait, je suis à la bourre et je dois ressortir Cutting the Deck for my divine feminine all-star. Mais je tenais quand même à vous faire un reading de qualité, donc j'enchaîne directement, après je vais prendre une douche et après... Je m'arrache, je vais chez Arnaud d'ailleurs, Arnaud qui vous a fait ce petit montage pour la vidéo. Donc là c'est plus Chasing Worlds avec un Nokia 3220 là, de l'ère des crustacés. Là c'est vraiment GoPro AJ Vanta Black, donc voilà. Et puis là c'était vraiment sorti du bateau, la baleine était juste là, elle nous a fait un check WhatsApp. Et il y a d'autres vidéos qui vont arriver, bon vous ne me voyez pas sur la vidéo mais je vais en faire d'autres. On va vous faire d'autres montages, on va vous faire du... Et je pense que je vais ouvrir une autre chaîne YouTube qui va s'appeler Chasing Worlds. Et ça va être extraordinaire en collaboration, bien entendu, avec Arnaud. Allez, c'est parti les divines féminines. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous. Parce que moi, j'ai que dalle pour vous, les divines féminines. J'aimerais bien savoir où est-ce que vous en êtes par rapport à ces énergies du divin masculin qu'on a vu très perturbées hier. Et je voulais savoir comment est-ce que vous gérez tout ça. Parce que ça, c'est super important. Comment est-ce que vous gérez tout ça, mes divines féminines? Le fait qu'il y ait cette énergie, il y en a quelques-uns qui m'ont dit « Ouais, sur les commentaires, moi je l'attends plus, moi j'en ai marre d'attendre, moi j'en ai marre de passer pour ceci, pour cela. » Et vous avez tout à fait raison, vous avez tout à fait raison d'avancer, vous avez tout à fait raison de ne plus attendre, vous avez tout à fait raison de ne plus de faire votre vie. Et je trouve ça très bien que vous soyez dans ces énergies. Donc je trouve ça plutôt cool, mes divines féminines. Surtout, n'attendez pas, vivez votre vie. Suis-moi, je te fuis-moi, je te suis. Et c'est comme ça que les énergies, en fait, que vous tirez sur ce fil d'Ariane, bien entendu. Et ça marche aussi, bien entendu, pour les Twin Flames. Après, c'est pas juste le fait de faire semblant, suis-moi, je te fuis-moi, je te suis. Parce que n'oublions pas que les parcours flammes jumelles, et oui, pas tout le monde est en parcours flammes jumelles, mais n'oublions pas que les parcours flammes jumelles, ce n'est pas du domaine du mental, ni du domaine du physique, c'est une journée spirituelle. Donc ce n'est pas une journée du paraître, c'est une journée de l'être. Donc c'est vraiment quand vous faites le travail, quand vous vous déconditionnez de vos appartenances, et surtout des appartenances au divin masculin, que celui-ci, bien entendu, peut s'éveiller et peut renouer avec le spirituel, pour pouvoir revenir vers vous. Mais assez de blabla, je demande, je vais faire comme hier en fait, je vais faire une super Celtic Cross, donc je demande au guide s'il vous plaît de bien vouloir me mettre le jeu en ordre pour pouvoir voir où se trouvent les énergies du moment, sachant qu'on a passé le Lion's Gate, qu'il était ultra puissant cette année, qu'on a passé bien entendu la full moon, la super moon excentrique en fait en Verseau, avec l'énergie des Vierges, la super lune en Vierge, on est en plein dans l'énergie qui pose tout ça en ce moment et qui fait que bien entendu... qui fait qu'on est posé en ce moment, qu'il y a beaucoup d'introspection, c'est aussi la quête de la vérité, la quête de la sagesse, c'est aussi un signe double caché, c'est aussi la maison de l'illumination, la maison des Vierges. Donc voilà, on va voir comment est-ce que ça pèse dans la balance tout ça, où est-ce que vous en êtes par rapport à ça, mes divines féminines, comment est-ce que vous vivez cette énergie du runner, encore une fois qui se sabote, encore une fois qui a envie de revenir vers vous mais qui ne le fait pas, et qui n'arrive plus à détourner la tête de ce lien, qui est en train de se rendre compte de la force du spirituel. Et aussi, les guides me disent, et ça c'est très vrai, et je ne l'avais pas remarqué, c'est que, alors moi je suis vachement excité par rapport aux baleines, parce que tous les jours je sors dans l'océan et que je chasse les baleines, et vous allez me dire, mais Jay, mais tu sors pas tous les jours, puisque tu reviens de Thaïlande. On va dire que je m'y remets là maintenant. Mais tout ça pour vous dire que... Tout ça, et vous, en fait, les guides me font dire que tout est absolument silencieux, que tout est absolument calme, et c'est le calme avant l'explosion atomique ou l'implosion atomique ou la tempête. Et ça va aussi sur le milieu géopolitique.
En ce moment, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tout est vachement calme et tout ça. On ne parle pas beaucoup de choses à la télé et tout ça. Ça, c'est juste pour nous laisser présager au niveau international, au niveau mondial, une bombe, mesdames, messieurs, qui s'en vient. Une bombe qui s'en vient, un grand reset, quelque chose d'économique, ou encore un pseudo-virus qui va sortir cette fois-ci du cul d'une girafe volante au Guatemala. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est le silence, hein, c'est un peu trop calme. Écoutez. On n'entend absolument rien, pas un oiseau. Et ça, et même à la télé, au niveau des news et tout ça, on parle d'inondations par ici, par là et tout ça, mais c'est tout est trop calme, tout est trop calme. On est là, ça plaisante un peu, ça parle de choses. Et ça veut dire qu'une chose vraiment incroyable, une chose extrêmement puissante est en train de s'en venir. Les guides me disent que le jeu est en ordre, donc ça veut dire que le divin masculin, il doit le ressentir. Et comme il a pris le Covid de plein fouet, il sait que si jamais il fait pas un déplacement, s'il fait pas un move vers sa féminine, on risque de repartir dans une période où il va falloir planter des patates dans sa cour, ou alors des graines, ou alors des pastèques, où il va falloir subventionner à ses propres besoins sur ses terrains, il va falloir gratter le sol, il va falloir vivre dans le troc. On ne sait absolument pas comment est-ce que ça va partir en vrille très bientôt, et avec toutes les inflations et tout ça. Et je pense que, et aussi au niveau des voyages, au niveau des pays et tout ça, ils peuvent aussi refermer les frontières, ils peuvent bloquer les avions, vous savez, il va falloir refaire des tests, il va falloir refaire des trucs pour revenir, ils peuvent que tout le monde se met à paf, ils rebloquent, enfin un gros coup de sadique comme d'habitude. Et ça, le divin masculin, il arrive à le sentir dans l'air. Il sait que s'il ne fait pas quelque chose, c'est reparti pour 2 ans, 3 ans sans voir sa féminine. Sa féminine qui a maintenant l'habitude de vivre sans lui et tout. Mais lui, il sait que si jamais il veut faire quelque chose, s'il veut fonder un avenir, s'il veut faire quelque chose, les guides amènent ça. Et tout ça, vous le ressentez, ces énergies. Parce que vous, maintenant, vous êtes spirituellement éveillé, vous faites partie du nouveau monde, vous faites partie de la Rainbow Nation qui n'appartient à aucune race, aucune couleur de peau, aucun parti politique, aucun milieu social et tout ça. Vous savez subvenir à vos propres besoins, vous êtes entré dans la résistance et tout ça. Mais lui, le masculin, il est complètement perdu et je pense qu'il a besoin de sa féminine et qu'il sait que s'il y a une porte qui doit s'entrouvrir, c'est maintenant, si vous voyez ce que je veux dire. L'énergie qui porte le jeu de la divine féminine, c'est le Nine of... ça, c'est l'énergie qui pousse ce jeu. Donc encore une fois, c'est... Vous voyez ce que je veux dire? C'est l'indépendance, les ressources matérielles, c'est tout ce qu'il faut pour être heureux, mais... on ne l'est pas, ou alors c'est l'énergie du divin masculin qui n'arrive pas à communiquer, qui n'arrive pas à parler, qui n'arrive justement avec le divin masculin in reverse, juste derrière, c'est exactement ça. Quelque chose de concret qui doit arriver ou qui n'arrive pas, peu importe, mais en tout cas ce sont les énergies qui vous poussent. Vous voulez quelque chose de concret, vous attendez pas juste, c'est soit des excuses, soit une conversation d'adulte à adulte, soit c'est quelqu'un qui humblement présente ses excuses, malgré que énormément de temps soit passé, qui comprend en fait les fautes qu'il a commises, ce qu'il a fait, ses travers, ses penchants, ses trucs répétitifs. Tout ça, vous attendez en fait avec beaucoup de lucidité, vous êtes prêt à l'accueillir, vous êtes prêt à parler, vous êtes prêt à échanger, vous avez beaucoup mûri, vous avez beaucoup évolué et vous vous êtes éveillé aussi spirituellement, mes divines féminines. Allez voir mon site, One System, nature de la méditation, vidéo numéro 3, nature du tout, nature de la vie, nature de la mort, nature de l'amour, nature de l'énergie, les mondes vibratoires, les chakras, comment les activer, quels en sont leurs pouvoirs, comment les utiliser dans votre vie de tous les jours, mes amis. Et on va commencer directement par votre jeu et ensuite je vais entamer cette méga Celtic Cross maintenant que ce jeu est en ordre. Les énergies qui vous poussent, bien entendu, c'est le fait de n'avoir aucun signe concret ni aucun signe tout simplement du divin masculin qui se terre, qui se cache, qui ne dit rien, qui ne prend pas les mesures et en plus qui apparemment ne serait pas bien dans sa vie. Apparemment il y a quelque chose de lourd qui s'est produit, quelque chose qui est caché et quelque chose que vous ne savez pas et tout ça. Mais bon, tout ça c'est un peu les énergies habituelles. Allez, c'est parti, je tire votre première carte et après n'oubliez pas qu'avec le Animal Deck là je vais vraiment clarifier ça, je vais faire une méga Celtic Cross. Donc là, l'énergie qui vous caractérise c'est la Reine d'épines. Et donc ça vient me dire que vous connaissez votre vérité, que nul ne peut vous détourner de votre vérité, c'est celle qui tranche, la racine latine de décider, c'est littéralement le fait de trancher, c'est se séparer des choses dont on ne veut plus pour garder les choses qui sont essentielles. Et elle a une main ouverte mais elle a aussi Excalibur dans l'autre main, la Reine d'épines. Ça vient me dire qu'elle est prête à accueillir, ça vient me dire que le petit oiseau peut venir se poser dans la main et qu'il peut redécoller à n'importe quel moment, que la Reine d'épines ne va pas fermer sa main, elle ne va pas étouffer. Il y a aussi un oiseau dans le ciel, dans la carte du Rider-Waite, dans le Pamela Cosmis, qui montre une certaine énergie de liberté, une certaine énergie de revendication, de liberté, d'aventure. Encore une fois, la liberté, les gens de pouvoir n'aiment pas la liberté. Il n'y a qu'à voir les gouvernements, il n'y a qu'à voir ceux qui sont à la télé, à la radio. Les gens de pouvoir n'aiment pas la liberté parce que plus le peuple a de la liberté, plus l'espèce humaine prend de la liberté, moins les élites en fait, ou ce qu'on appelle les élites, mais c'est pas eux les élites c'est nous bien entendu, c'est le peuple libre justement. Mais plus le peuple le libre est libre, plus il augmente en conscience et plus en fait les dark molles en fait de cette planète en fait perdent en énergie, tout ça. Les palpatines perdent en énergie et les gens de pouvoir détestent la liberté, les gens de pouvoir ont peur de la liberté. Donc les serpents qui sont autour du divin masculin ne veulent pas qu'il trouve sa liberté avec vous ou avec lui tout simplement, donc ils veulent l'enfermer dans des œillères bien entendu. Et vous,
aussi, mais féminine. Vous avez laissé totalement en fait la sécurité pour pouvoir vivre en pleine liberté. Vous avez toujours une sécurité, mais c'est toujours de juste mesure accordée avec les étoiles. Celui qui délaisse sa sécurité, sa liberté au profit de sa sécurité, comme disait Jefferson, ne mérite ni l'un ni l'autre. Et ça veut me dire que aussi le masculin, il a peur de la liberté. Il a peur de la liberté parce que c'est un chemin 8, c'est un chemin de pouvoir. Et encore une fois, le masculin, il est très dans l'ego aussi. La force, l'énergie des lions, la maison des lions, c'est aussi beaucoup la maison. Les Lannister, c'est aussi beaucoup dans l'ego et tout ça. Mais ça vient me dire que le divin masculin, encore une fois, il y a beaucoup d'énergie qui canalise, alors je canalise. Mais ce que ça vient me dire, c'est que le divin masculin, encore une fois, le divin masculin, c'est toujours en fait la quête de pouvoir. La quête, c'est la quête de l'empereur, c'est la quête, c'est l'énergie de l'empereur du divin masculin. Donc, le divin masculin a peur de la liberté. Il a peur aussi de la vulnérabilité, toutes ces qualités féminines que vous possédez maintenant. Mais en tout cas, vous êtes derrière, regardez. Vous êtes derrière, vous l'observez, mais vous ne bronchez pas, vous êtes fort, vous êtes dans votre toute puissance. Est-ce qu'il faut vraiment que je clarifie ça, mes amis les guides? Mais on peut dire que la reine d'épines, en tout cas, elle fait peur. Donc c'est celle qui se cache, c'est celle qui ne parle pas, mais c'est celle qui attend aussi, c'est celle qui maîtrise son game, c'est celle qui a une coupe au carré, c'est celle qui se débrouille aussi dans le monde professionnel, bien entendu. C'est celle qui gère, hein. Ça c'est clair et net, hein. Ça c'est vraiment celle qui gère. Elle peut aussi faire peur et c'est aussi la reine du roi d'épée. Et le roi d'épée aussi c'est le dieu de la guerre. Donc ça vient me dire que, mais ça vient me dire que le dieu de la guerre en fait il se la coule, enfin il fait gaffe pas. Il fait gaffe face à sa femme parce que sinon il sait qu'il se fait trancher la burne. Et derrière chaque grand homme il y a toujours une grande femme. Mais vous êtes la grande femme bien entendu de ce divin masculin mais féminine, ça n'en doutez pas. Donc ça vient me dire que... Alors, je vais clarifier ça, mais vous êtes dans des énergies assez puissantes, et c'est ce qui fait que lui, il est en train de perdre ses moyens. Donc, restez dans ces énergies, ne settle pas for less, n'abaissez pas vos vibrations, ne soyez pas en conflit. Maintenant, vous êtes éveillé, vous n'en voulez plus à votre divin masculin, vous êtes votre propre impress, et vous incarnez votre toute puissance, et je trouve ça plutôt cool. Alors, ça, c'est vraiment au niveau du body et tout, c'est vraiment ce que vous incarnez, c'est comme ça qu'il vous voit. Alors, ensuite, on a... le Two of Swords, qui vient me dire que vous refusez de prendre, vous refusez de prendre des solutions, de faire un choix. Pourquoi? Parce que vous voulez pas, vous avez envie. Alors quelque chose me dit que vous êtes encore dans le noir, mais que vous voulez vous laisser vous guider, que vous avez des choix à faire, mais que vous ne voulez pas imposer des choix, que vous laissez les choses se faire, mais qu'en même temps vous croquez la vie à pleines dents. C'est en tout cas ce que je vois. Regardez, on a le Ten of Cups in Reverse ici qui vient me dire que vous n'êtes pas dans vos énergies de fantasmes et tout ça. Je vais avoir des enfants, une famille, tout ça. Ça, c'était avant avec le divin masculin, ça ne s'est pas produit. Mais en ce moment, c'est fait exprès que vous soyez là-dedans, que vous ne soyez pas dans le romantisme. Alors, on vous demande d'être concret, on vous demande de regarder les choses de façon un peu froide en fait, un peu comme le divin masculin, un peu comme la Queen of Swords, c'est-à-dire qu'on regarde les choses de façon rationnelle, on ne se laisse pas aller. Mais à l'intérieur de vous, regardez, l'énergie qui porte ça, c'est la carte du soleil, c'est la plus belle carte du jeu, ça vient me dire que ce n'est pas la plus belle carte du jeu, ce n'est pas la carte la plus puissante en tout cas, qui est le monde. Mais en tout cas, ça vient me dire qu'à l'intérieur, vous êtes un soleil qui rayonne, qu'il y a énormément d'énergie en fait qui rayonne à l'intérieur de vous. Et ça vient me dire que malgré que ce soit extrêmement difficile, malgré que les choses soient... malgré que les choses soient tendues en ce moment, que vous rayonnez comme le soleil, que vous avez un soleil, que vous avez énormément à offrir à l'intérieur. Et ça, je pense que le divin masculin, il le voit ou il le ressent. Quelle est votre partie challenge? C'est le six de confort, c'est-à-dire le equal give and take. Je te donne, tu me donnes. La réciprocité. Tu me donnes, je te donne. Je te donne, tu me donnes. Tu fais pour moi, je fais pour toi. Tu m'apportes quelque chose, un doum doum dans le cœur, et ben je te fais un doum doum dans le cœur, tout simplement. Tu me parles, je te parle, les personnes avec qui vous vous sentez bien, vous allez faire un effort, vous allez avancer vers elles. Ceux qui ne font pas de compte avec vous, qui ne vous parlent pas et tout ça, vous les mettez de côté. Ce que vous voulez dans la vie, c'est la réciprocité et vous n'allez pas vous forcer à donner à quelqu'un, tout simplement à vouloir trop donner à outrance à quelqu'un. Parce que le fait de vouloir, de vous forcer, de vouloir donner de l'amour à quelqu'un ou de vouloir donner à outrance à quelqu'un, au bout d'un moment, c'est pas l'hypocrisie, mais c'est-à-dire que vous n'allez pas vous mettre avec quelqu'un parce que quelqu'un fait pitié, vous voyez ce que je veux dire? Et ça vient me dire que si vous faites ça, vous allez rendre quelqu'un malheureux et que vous allez aussi vous rendre malheureux, bien entendu. Mais vous n'allez pas vous faire ça, vous avez appris de l'expérience. Donc c'est votre challenge. J'aimerais un peu clarifier cette partie challenge, mais c'est l'énergie des taureaux, c'est une énergie de sagesse, c'est une énergie d'épicurisme aussi qui vient me dire que vous savez prendre épicurien, épicure bien entendu, donc ça vient dire que... ça vient me dire que c'est pas très frugal en ce moment, ça vient me dire que... alors peut-être aussi, mais la qualité avant la quantité. Ça vient me dire que vous savez saisir les bonnes choses, que vous savez saisir les bonnes énergies. Ça vient me dire que vous pétez le feu, et c'est pas parce que je parle vite que je suis en train de faire ce reading en foutant. Il est extrêmement sérieux, je suis très content de voir que vous avez ces énergies. Si les cartes étaient différentes et tout ça, j'aurais pu un peu graisser de la pâte, un peu, ouais, un peu prendre mon temps, être un peu là, un peu vous faire des serments, un peu vous, pas m'apitoyer, mais être là un peu, vous savez, genre, voilà, je suis avec vous, patati patata, les féminines et tout ça. On a la carte du Six of Wands, randomly, qui était là-dedans, en fait, et qui était
Donc il me parle toujours de ce Ronan, qui était caché dans le jeu, mais rien n'arrive par hasard. Donc pourtant, je regarde bien mes jeux, je les bats bien, je les machins, je les recompte avant chaque reading et tout. Hein. Ça, je suis toujours extrêmement minutieux là-dessus. Et j'avais pas vu cette carte, donc elle est sortie, pas pour rien. Ça vient me dire que, encore une fois, c'est que le divin masculin aussi, il y a un gros changement, peut-être quelque chose dont vous vous attendez pas, quelque chose. Mais c'est ce qu'on a vu, hein. C'était les énergies de hier. Mais encore une fois, il est toujours prêt à s'aboter, toujours prêt à se foutre en l'air, toujours prêt à trouver une excuse, toujours prêt à. Mais bon, vous, en tout cas, j'ai l'impression que ça vous atteint de moins en moins et que vous avancez. Donc de toute façon, il n'aura pas le choix, il n'aura absolument pas le choix. Il n'aura pas le choix, le coco, ça, c'est clair. Donc il n'a pas le choix et ça veut dire qu'il va venir vers vous. Quelle est l'énergie qui porte le jeu? Regardez, c'est la justice divine. Donc c'est exactement ça, c'est la justice divine. Maintenant, vous avez des énergies, en fait. Excusez-moi, je suis vraiment désolé, je vais. C'est la justice divine, donc c'est une énergie de réciprocité, tout ça, mes amis. C'est aussi une énergie de balance, c'est aussi Excalibur, encore une fois, Excalibur, c'est. Regardez, bien entendu, mais c'est l'énergie qui porte ça, regardez. On a le Son of Pentacles ici, donc ça, je vais le garder. Donc ça peut vouloir me dire qu'en ce moment, ça peut être difficile aussi pour vous au niveau financier. Mes divines féminines, ou alors que quelque chose arrive vers vous au niveau, ou que vous vous inquiétez pour ça, mais on vous dit de ne pas vous inquiéter pour ça. Alors, c'est pas qu'on vous dit ça, en fait, c'est que vous savez, ici avec la justice divine, que les étoiles ne vous lâchent pas. C'est-à-dire que les étoiles vous donneront toujours de quoi continuer ce que vous faites en ce moment. Si en ce moment, ce que vous voulez faire, c'est Chasing Whales, et bien l'univers va vous donner, va vous montrer la bonne équipe avec le bon matos, les bons kayaks, la GoPro, les machins, les trucs pour pouvoir aller chaser la whale. Ok, d'accord? Vous allez vous mettre dans les normes et tout, vous aurez la combi, enfin, vous serez dans les normes, quoi, vous aurez tout ce qu'il faut pour y aller, quoi. La bonne team, le machin. Ça vient me dire que vous rencontrez les bonnes personnes, ça vient me dire que the sky has no limits, ça vient me dire que vous ne vous imposez plus de limites et ça vient me dire que vous allez résoudre les problèmes en chemin et que il y a de la hot vibe là. Ce que je vois, c'est de la hot vibe. Et donc, ne vous inquiétez pas. Alors, c'est marrant, vous vous inquiétez, mais en même temps, vous vous inquiétez pas parce que pourquoi? Parce que vous savez. Vous savez. Vous avez un livre sacré sur vos genoux. Vous avez un livre sacré sur vos genoux, mais vous ne lisez pas votre livre sacré sur les genoux. Pourquoi? Parce que vous vous en cognez, parce que vous avez déjà la connaissance. Et parce que vous êtes tout simplement la High Priestess. Donc c'est exactement ça. Alright. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a comme. Ça, c'est vraiment votre partie challenge. Les guides nous disent surtout ne bats pas ça, l'ami. Le jeu est en or, ne va pas faire cette bêtise. Ce jeu-là, il est là, tu n'y touches plus. Quelles sont les énergies qui vous poussent? C'est la reine d'émotion, mais in reverse. Donc ça peut vouloir me dire qu'en ce moment vous êtes célibataire, qu'il n'y a pas d'amour dans votre vie, que voilà, que vous avez beaucoup d'amour à donner, mais que vous n'en donnez à personne en ce moment, les divines féminines. Mais malgré ça, vous gardez la tête haute, malgré ça, vous avancez dans la vie, malgré ça, vous profitez de chaque moment, de chaque petite chose que vous pouvez vivre, et vous le vivez à fond. C'est vraiment ce que je vois, je ne suis pas là pour vous dire, ouais, mais si, mais ça, mais vous êtes les meilleurs. Mais c'est vraiment ce que je vois. Et vous allez voir, je vais aller clarifier tout de suite ça, parce que c'est ce que vous êtes en ce moment. Vous êtes peut-être seul, vous êtes peut-être esseulé, vous n'avez peut-être personne dans votre vie, mais vous êtes indépendante. Vous êtes indépendante, vous êtes courageuse, vous êtes forte, vous avez acquis de l'expérience, et vous n'êtes plus des petites filles maintenant, que vous soyez homme ou femme. Bien entendu, je parle d'impératrice ici, de divine féminine. Que vous soyez homme ou femme, je suis moi-même une divine féminine. Bien entendu, parce que j'incarne les énergies féminines de l'univers, c'est-à-dire les énergies de réceptivité, de yin, ce qui drive la relation. Regardez, on a Twin Flame in Reverse ici, donc ça veut me dire que le truc flamme jumelle, on le met de côté en ce moment. Et ça, c'est très bien parce que vous vous protégez. Ensuite, au niveau du soul, putain, ça veut dire que vous, de votre côté, il y a une nouvelle histoire, il y a une nouvelle histoire avec The World ici. Donc il y a de gros changements qui sont en train de s'opérer. Pourquoi? Parce que le divin masculin a trop tardé. Ça fait des jours, des mois, des années qu'il ne fait rien. Ce cycle se termine ou ne se termine pas, mais vous, vous en avez marre, vous avez décidé d'avancer. Et ça, je trouve ça vraiment extraordinaire. C'est ça, la puissance divine. Continuez comme ça. C'est comme ça que j'ai toujours envie eu de vous voir, les féminines. Invincible, intrépide, on n'abandonne pas, on avance. Et ça, pour moi, c'est le top du top. J'ai envie de dire les filles, mais les hommes aussi. Bravo, ça c'est. Ça me fait super plaisir, ça me fait super plaisir. Quelle est l'énergie que vous laissez derrière? Ouais, c'est le fait de faire la teuf, d'être là, la zumbida. Non, non. Ça vous laissez tomber derrière. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes plus dans la séduction, mais ça vient me dire que maintenant, j'ai l'impression que tout prend un sens. J'ai l'impression que vous voulez vous concentrer sur votre avenir, sur votre milieu professionnel. Vous savez, le fait de vouloir séduire, le fait de d'aller machin, les trucs sans lendemain, ça vous êtes vraiment en train de mettre derrière. Donc j'ai l'impression que vous appréciez la vie avec du concret, avec de la méditation, avec des bons amis, avec des bonnes bouffes, avec des gens matures, avec des gens qui ont de l'expérience. Enfin, je sais pas, mais en tout cas, c'est ce que ces cartes me laissent présager. Boum, on a exactement, on a le Father of Swords in Reverse qui vient me dire que vous n'avez pas envie d'être sur la défensive, vous n'avez pas envie de tout rationaliser, vous n'avez pas envie de partir en guerre. Vous laissez la guerre pendant longtemps, en fait. Alors, ça peut vouloir me dire aussi que pendant. Alors, ça peut vouloir me dire aussi que
que justement maintenant vous allez vous battre pour vos principes. C'est-à-dire que j'ai l'impression que vous savez, des fois il y a des personnes qui se laissent aller, qui se... Là, au bout d'un moment, j'ai l'impression que vous dites maintenant stop. Moi, j'ai des principes. Moi, je vois le monde comme ça et je vais pas settle for less. Je vais pas abaisser mes vibrations. Donc, vous réagissez super bien, vous réagissez super fort, vous êtes au top du top. Je sais pas quoi vous dire. Regardez, on retire le Nine of Pentacles in reverse qui vient me dire que justement vous allez arrêter de vous prendre la tête sur les ressources que vous n'avez pas. Vous allez vous dire, bon, écoutez, je fais peut-être pas beaucoup, je fais peut-être un SMIC, mais en attendant, je suis libre, je suis indépendant, je sais subvenir à mes propres besoins, j'ai des idées, j'ai envie de bosser, j'ai envie d'avancer, j'ai envie de changer les choses, j'ai envie de faire du bien au monde, c'est exactement ça, et je suis sur un nouveau départ. Donc pendant trop longtemps, vous avez attendu le divin masculin pour commencer en fait le fait de vous revendiquer, d'avancer, de faire des partenariats et tout ça. Vous êtes en train de mettre ça derrière, vous ne l'attendez plus, c'est exactement ça. C'est vraiment ce que je vois. On a le 3 d'émotion, c'est l'énergie qui couronne votre jeu dans cette super Celtic Cross. Donc ça peut vouloir me dire, encore une fois, je vois énormément de partenariats, je vois de nouvelles rencontres, je vois aussi un celebrate, mais c'est pas un celebrate, on va se torcher la gueule, good time comment, on va prendre des rails de coke, on va s'envoyer en l'air, on va se foutre du poppers, de l'ecstasy, toutes ces merdes dans le derche. Non, là, c'est on s'assoit sur une colline et puis on regarde les astres, on parle, on fait des projets, on fait des trucs vraiment cool. Donc ça, je trouve ça plutôt cool, mes divines féminines. Et je vais aller confirmer tout ça avec le Animal Deck. Mais ça vient me dire que vous êtes fort, que vous n'attendez pas, que vous avancez. Et que... Alors, mon discours, il est peut-être un peu genre coche-coche, un peu on y va, on avance. Allez, c'est parti. Allez, on boxe. Un petit coup à gauche, un petit coup à droite, un petit coup à gauche. Mais c'est vraiment ce que je vois. Je ne suis pas là pour faire le nyan-nyan, mais c'est vraiment ce que je vois. On a Lovers in Reverse qui vient me dire que vous allez faire votre choix, vous n'allez pas baisser votre vibration, vous n'allez pas... Settle for less. Et qu'est-ce qu'on a au niveau? C'est exactement ça. Mais c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Vous êtes puissant. Vous avez la force au niveau de Soul. Donc vous avez Lovers et Force. Boum avec le Three of Cups ici. Ça vient me dire que dans l'avion, le luxe c'est d'avoir le choix. Et vous avez le choix. On a toujours le choix. Soit le choix d'être une limace, soit le choix de transpercer le dragon de la rancœur, ou alors de lui laisser de baisser la tête devant le dragon de la rancœur. Donc donner du pouvoir à l'autre, être dans la rancœur. Mais ça, vous dites niet, vous dites stop. C'est exactement ça. Regardez. Le truc qui vous pousse, l'énergie qui porte ça, c'est que. C'est refuser d'écouter son enfant intérieur. Donc ça peut vouloir me dire, mais attendez, ça peut vouloir me dire qu'il y a peut-être des choses lourdes qui veulent vous parler, des choses tristes, vous savez, des trucs que votre corps frissonne, vous avez peur, vous avez froid, des fois c'est difficile, c'est des images, là, vous vous revoyez au milieu d'une forêt à l'autre bout du monde et tout, en train de tenir la main de votre divin masculin et tout, il y a les éclairs qui pètent, ça canarde de partout, ça fait ratatatac et ça pète de partout et tout ça, et de temps en temps c'est genre, putain le mec m'a quitté quoi, putain le mec m'a quitté quoi, alors qu'on était là, qu'on se tenait la main, que voilà, on allait y aller, qu'on avait fait des trucs, et le mec il est parti pour le pognon, pour autre chose, parce que bah, il avait pas de couilles, peu importe, mais vous avez souffert, et de temps en temps, ça remonte ça, mais vous vous dites stop, 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 maintenant, boum, moi, j'ai fait mon choix, j'ai décidé de me choisir, j'ai décidé d'avancer, c'est l'énergie qui vous couronne, c'est ce que je vois, ça vient de me montrer que vous êtes fort, c'est exactement ça. Et qu'est-ce qu'on a? On avance vers... Vous êtes en train de rompre le lien, en fait. Vous êtes en train de vous faire violence, vous êtes en train de vous faire force parce que vous ne voulez plus subir, vous ne voulez plus subir, vous ne voulez plus encaisser le divin masculin. C'est exactement ça. Vous en avez marre de ces énergies. Alors, je vous dis tout de suite, hein, je veux pas machin, le lien sera toujours là. Il sera toujours là. Malheureusement, on ne peut pas couper le lien. Même si jamais vous vous séparez complètement et que machin... Et que lui ne veut pas revenir et qu'il reste là, se morfond, malheureusement, le lien est toujours là. Mais... Vous apprenez à vivre avec. C'est ce qui fait votre charme, c'est ce qui fait votre force. Mais vous n'en voulez plus, vous ne percevez. Vous ne... En fait, vous, maintenant, c'est la leçon. C'est la leçon. C'est-à-dire, bon, voilà, le truc, il était là, mais bon, j'ai passé la leçon. Maintenant, j'avance, je grandis, je passe à autre chose. Et je rayonne dans le monde. Je fais de cette faiblesse, de cette cicatrice qui s'est renfermée, une force. Et vous arrêtez d'être là. Vous arrêtez de le manifester, tout simplement. Vous le laissez grandir, vous laissez faire son truc. Vous avancez. Vous êtes. Pour moi, c'est le passage à l'âge adulte, la médivine féminine. Je trouve ça la force d'une femme. Je trouve ça extraordinaire. Extraordinaire. Vous allez me dire, ouais, mais j'ai aussi, je fais des lancers de l'âme et tout ça. Peu importe que vous soyez un homme ou femme. C'est pas parce qu'on est des hommes sensibles et tout qu'on est des couilles molles. Non, au contraire. Ça veut rien dire ça. Moi, combien de fois ça m'est arrivé de chialer? Pas beaucoup, vous allez me dire, pas beaucoup, Jay. Mais des fois, vous savez, j'ai l'émotion qui me prend et tout. Je suis un peu là, j'ai la morve et tout. Mais. Et ouais, c'est comme ça. Je suis dans un parcours flamme jumelle. Je suis un peu. Ouais, bah moi aussi, je suis la sensibilité, ça peut être aussi quelque chose de lourd à porter. Mais voilà, bah on est comme ça. Voilà, boum. Ça fait des mauvais trucs, ça fait des bons trucs. Et puis voilà, c'est comme ça. On n'est pas là pour un. Wheel of Fortune. Donc, en fait, ce que vous voulez, c'est vraiment. Vous, ce que vous voulez, c'est le changement, les féminines. Vous voulez le changement, vous avez la tempérance in reverse. Donc, ça vient me dire que. Ça vient me dire encore une fois que. Alors, c'est marrant parce que. On a la Queen of Wands ici qui vient me dire qu'en ce moment, dans ces énergies qui essayent de remonter, de revenir vers vous, il y a une leçon là, il y a quelque chose à apprendre, que vous ne voulez peut-être pas regarder en face. Et il va falloir. Et je pense que si vous faites ça, c'est pour vous protéger les divines féminines. Qu'est-ce qu'on a en partie conseil ici?
Alors là, on vient vous dire que, parce que vous êtes quand même les divines féminines, donc ça vient me dire que vous êtes Wanted Gang Street Command et que tout le monde en veut, tout le monde vous veut. D'accord? Que ce soit la voisine, que ce soit toutes les meufs ou tous les mecs, enfin tout le monde quoi. Tous ceux que vous aviez dans votre classe, à la maternelle, machin, qui vous retrouvent. Ah ouais, tu vois, tiens, j'ai d'abord enfant, ouais, j'ai des enfants avec toi, bref. Bon. Tout le monde, ah salut, ça va? Tiens, je t'ai pas remarqué l'année dernière, mais là, tout d'un coup, je te remarque. Hey, dis-moi, t'étais pas le petit gros. Enfin bref, là, maintenant, tout le monde vous veut. Hein, je veux dire, ou la petite grosse, hein, mais tout le monde vous veut maintenant. Maintenant, vous êtes la grande fille. Enfin, vous voyez, après, il y a des petites grosses qui sont plus jolies que des grandes filles. Hein, parce qu'il y en a. Ben, bref, je suis en train de m'éparpiller, mais tout ça pour vous dire que. Hein, les guides me disent, ouais, fais gaffe à ce que tu dis. Tout ça pour vous dire que. Ah ouais, c'est vrai, il y a des. Bien entendu, enfin, je veux dire, qui sont rondes, mais qui sont plus belles que des grandes filles. Hein, je veux dire, ça arrive. Hein. Donc, tout ça pour vous dire que ça vient me dire encore une fois que ne vous forcez pas. Ne vous forcez pas à aller vers quelque chose, à aller vers quelqu'un, à une relation pour faire plaisir à quelqu'un. Vous rencontrez quelqu'un, cette personne elle a l'air bien. Ah oui, elle n'est pas comme votre divin masculin, elle est mature, elle est passée par ci, par ça. Elle vous plaît bien, elle aime bien vos énergies et tout. Ne vous forcez pas. Ne vous forcez pas parce que vous allez rendre tout le monde malheureux là-dedans. Donc, on vous demande de ne pas vous forcer, on vous demande de ne pas précipiter les choses. On vous dit que le lien il est encore là. On vous dit que le tringue, enfin, d'après ce qu'on a pu voir hier, c'est qu'il y avait du move. Donc on vous dit que la spiritualité, c'est ce qui va prévaloir dans tout ça. Vous rencontrez certainement énormément de personnes, vous serez extrêmement peut-être sollicité, occupé. Qu'en ce moment, vous allez vouloir être dans le move, mes féminités. Et ça veut me dire que vous y pensez peut-être pas forcément. Ça veut me dire qu'en ce moment, vous allez être dans le move. Mais et peut-être que le fait d'être dans ce move, c'est vraiment pour oublier tout ça. Mais c'est une bonne chose. Et je vais voir ce qu'il y a au niveau du soul ici, mais on a le The Sun in Reverse. Donc c'est marrant, on a le Ace of Wands, on a The Sun in Reverse. Donc, et on a justement le Ace of Cups ici, donc c'est exactement ça. Donc j'ai bien fait de clarifier. On vous dit de faire attention, de ne pas speeder. On vous dit de ne pas speeder à l'aile féminine. On vous dit faites attention dans ce que vous faites, ne vous précipitez pas, ne sautez pas dans quelque chose qui vous tombe cuit dans la main. Que ce soit l'autre qui revient, le divin, le nouveau, le machin, calmez-vous. Vous êtes dans des méga vibrations en ce moment, faites gaffe, ok? Au niveau de votre entourage, qu'est-ce qu'on a? Boum! Dans les vibrations qui vous entourent, ce sont les énergies de l'empereur, du switch, du machin. Il est très présent en ce moment dans vos énergies. Très présent. Il y a aussi une autorité là. Il y a aussi une autorité, quelque chose qui veut potentiellement peut-être peser sur vous. Quelque chose de lourd, quelque chose dont vous aimeriez vous séparer. On va voir comment est-ce que vous allez gérer ça. Est-ce que c'est au niveau de la famille? Est-ce que c'est au niveau... Peut-être qu'on vous empêcher une prise d'indépendance ou je sais pas trop quoi. Je vais aller regarder ça, mes divines féminines, mais... Les guides veulent que je sorte la carte tout de suite. On a la carte de la justice. Donc ça veut me dire que vous voudriez trouver un équilibre en fait dans les énergies qui sont autour de vous en ce moment, mes divines féminines. Vous aimeriez que les choses soient plus justes, soient plus correctes et tout ça. Et vous avez tout à fait raison, que ce soit avec votre divin masculin ou alors avec les énergies qui vous entourent. En tout cas, j'ai vraiment l'impression que ce que vous cherchez, c'est encore une fois de la réciprocité. Votre challenge, c'est de vous faire respecter en ce moment. Regardez, de sortir des regrets et tout ça. Alors... Et regardez, on a ça peut vouloir me dire qu'en ce moment, dans les énergies autour de vous, avec le Ten of Wands qui est en train de porter tout ça, et on retrouve encore le Six of Wands ici. Donc, on vous demande de vous exprimer, on vous demande de parler, on vous demande de faire les choses de façon mature, on vous demande de mettre les choses à plat, de dire voilà, c'est pas normal que ce soit moi qui contribue plus, c'est pas normal que ça, pourquoi lui il paye plus, pourquoi moi l'autre machin, moi je voudrais que tout le monde soit sur un piédestal, j'ai besoin de prendre mon indépendance, comment est-ce qu'on pourrait faire pour les finances, comment est-ce que je peux aider, comment est-ce que je peux machin, mais je veux pas que tout me retombe sur les épaules, j'ai besoin d'avancer, j'ai besoin d'agir, j'ai besoin de. Donc vous allez discuter, vous allez trouver des solutions en adulte et les choses vont s'arranger petit à petit ici avec la justice et la tempérance et l'univers et la carte du monde. Donc les choses vont s'arranger, les choses sont en train de s'arranger. Cette petite relation que vous avez avec le masculin et tout ça, n'oubliez pas que ça reste une relation très importante dans l'univers. N'oubliez pas qu'en ce moment tout est silencieux parce qu'il y a des grandes choses, des grands mouvements qui sont en train d'arriver. N'oubliez pas que les petites choses qui nous sont arrivées pour certains c'est une catastrophe, c'était la fin du monde, il fallait vite retourner au monde de l'affaire de consommation et tout ça. Mais vous, en tout cas mes féminines, vous êtes balèzes. Ce qui vous est arrivé c'était que dalle. Ce qui nous est arrivé là c'était rien. C'était le calme, le bateau était encore dans la piscine. Là il commence à partir dans la mer là. Et ce que je peux vous dire c'est qu'il y a des gros dragons dans la mer, beaucoup plus gros que ceux qu'on a vu dans les... Et là, laissez-moi vous dire que tout ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant, c'est de la pacotille comparé à ce qui arrive. D'accord? The war has just begun. Alright? Et là vous allez me dire, non mais c'est pas possible, on a fait tout ça. Mais je peux vous dire que moi je suis un guerrier, d'accord? Je connais les techniques militaires et je peux vous dire que ça a juste commencé, d'accord? Nous sommes en guerre, ça a juste commencé là, ok? Donc je peux vous dire que, je sais que vous êtes prêtes mes féminines, mais je peux vous dire que le masculin n'est peut-être pas là. Au niveau de Ops and Fear, on a le 10 de confort in reverse qui vient me dire que bien entendu il n'y a pas la famille, la transmission, le machin et tout ça. Et maintenant vous vous dites bon bah c'est mort. Alors n'oubliez pas que le plus important, parce qu'on nous a enseigné bien entendu dans les usines à conditionnement, d'accord, dans notre société, c'est qu'il fallait bien entendu avoir la machine à laver, les deux Porsche Cayenne dans le jardin, la femme, les trois enfants, machin, qu'il fallait avoir une Rolex avant 50 ans et, pour pouvoir être quelqu'un de bien et tout ça et toutes mes couilles. Mais tout ça pour vous dire que
On nous a enseigné comme ça, il faut être comme ci, il faut être comme ça, mais pas du tout. Vous vous rendez compte que vous êtes rien de tout ça, mais que vous incarnez vraiment quelque chose de chouette, quelque chose de sympa, et que vous incarnez le nouveau monde. Moi, j'ai tendance à dire que ma famille, c'est vous, c'est moi, c'est pas seulement mes petits cousins, mes petites cousines, mes petites soeurs, mes petits frères, c'est aussi vous, c'est aussi les abonnés, c'est pas mes abonnés, c'est mes abonnés, c'est la famille, c'est toutes les personnes avec qui je rencontre dans la rue, qui parlent et tout ça. Vous allez dire, ouais, mais ils en ont rien à foutre de ta gueule, j'ai absolument pas. Il y a des personnes avec qui j'ai, qui sont dans la même situation que moi, qui sont dans des trucs profonds et tout ça, et qui ont envie de vivre leur vie de façon profonde. Moi, j'ai parlé aujourd'hui à une fille. Elle a 30 ans, elle m'a dit, moi je veux pas d'enfant, je veux pas d'enfant, je veux pas faire ça et tout ça parce que le monde et tout. Elle m'a parlé de sa vision du monde et tout ça. Et elle est vierge d'ailleurs, donc c'est aussi un signe de la lumière et tout ça. Et je l'ai trouvé incroyable. Donc tout ça pour vous dire que il y a énormément de voilà, tout ça, ça bouge, tout ça c'est même et en fait c'était quelqu'un que je connaissais depuis longtemps, que j'ai pas revu depuis longtemps. Elle est sur le bateau là. Anaïs, là, elle est derrière, en mode, ouais, moi je suis cool, vous savez, relou les vierges, hein, machin. Mais tout ça pour vous dire, enfin, j'espère que je ne devrais pas dire ça, quoi, que je pense qu'elle bosse beaucoup et qu'elle n'a pas le temps de regarder en ce moment, mais tout ça pour vous dire que. Tout ça pour vous dire que je ne l'avais pas vue depuis longtemps et que. Que ben, en tout cas, il y a énormément de personnes qui ont voyagé, qui ont pris aussi dans la gueule, qui ont grandi. Et c'est extraordinaire, on est tous une famille, on est tous une famille, on est tous reliés, c'est exactement ça. Donc, et je sais que vous savez ça, les féminines, je sais que certains d'entre vous, ça ne va pas les consoler. Parce que vous auriez eu ce rêve et que ce rêve a été brisé malheureusement, mais c'était comme ça. C'était pas seulement la faute du divin masculin, c'est parce que vous avez signé comme ça, c'est parce que l'état du monde en ce moment ne peut permettre autre chose. N'oubliez pas pourquoi vous êtes là, les divines féminines. Vous n'êtes pas là pour regarder 5 stars, pour vous détendre un peu aussi, mais n'oubliez pas qu'il y a une mission, que ce qu'on fait ici c'est beaucoup plus grand que. Hein. Heureusement que YouTube le sait pas d'ailleurs, parce que sinon je pense que cette chaîne serait interdite. Parce que ici c'est au-dessus du soleil, bien entendu, regardez. Et sauf qu'il y a un nouveau truc, donc ça peut vouloir me dire que. Vous savez qu'il y a. Ouais, regardez, on a ça une nuit derrière. Là c'est ce qui est en train de porter, donc ça vient me dire que c'est la Dance of Change. Alors c'est marrant parce que, encore une fois, vous sentez qu'il y a un truc qui est en train de venir. Je vous dis pas que vous sentez pas qu'il y a un truc qui est en train de venir, que vous sentez peut-être pas des nouvelles potentialités, mes divines féminines, mais on vous dit. Ok? On vous dit, levez le pied de la pédale, calmez-vous. En ce moment, vous avez besoin de réfléchir. En ce moment, vous êtes encore une fois. Hein, il faut rester. Voilà. Il faut prendre le temps. Lui, c'est celui qui prend le temps. C'est celui qui laboure la terre. C'est celui qui fait les choses de façon calme, de façon machin. Quelle est la dernière carte, mes divines féminines? Blessé! On a la carte du Judgment in Reverse qui vient me dire que ce n'est pas encore le temps de la dernière épreuve. Ça vient me dire que vous n'avez pas encore passé cette épreuve. Ça veut dire que cette épreuve vous guette. Ça vient me dire que. Pourquoi le Judgment in Reverse? Ça vient me dire qu'il y a quelque chose là que vous devez percuter. N'oublions pas qu'on a vu la Queen of Wands tout à l'heure qui était in Reverse. C'est la deuxième fois. Ça vient me dire que ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est aussi encore une éternelle dernière épreuve. Vous allez me dire, mais c'était encore une épreuve là. Avec tout ce calme, ce silence qui est en train de se faire en ce moment, le divin masculin qui ne revient pas, ce sacré message qui pourrait, cette explosion ou implosion atomique qui pourrait sortir dans tous les sens. Je ne sais pas ce qui est en train de se passer en ce moment. On retire le Ten of Pentacles in Reverse ici qui vient me dire que vous n'y croyez plus beaucoup, vous n'y croyez plus beaucoup. Et aussi, on retire encore ça in Reverse. Hein. Donc ça peut vouloir me dire qu'il vous manque quelque chose en ce moment, quelque chose. Et regardez, on a ici, c'est vraiment appuyé par le Six of Swords. Donc ça vient vraiment me dire qu'il va falloir quitter quelque chose, les féminines. Il y a quelque chose que vous allez devoir quitter là. Et je ne sais pas si c'est ce lien, si c'est une façon de voir le monde, si c'est une façon de vous comporter. Mais ce que je pense, c'est que là, vous allez définitivement quitter l'enfance pour rentrer. Et vous allez me dire, Jay, j'ai 75 ans avec trois petits-enfants. De quoi tu viens de parler, l'enfance, machin? Bon, bah, je sais plus. C'est les énergies. Je veux dire, c'est que là, que vous ayez 40, 45 ans, peu importe, j'ai l'impression que là, ce que vous allez, parce que les politiciens en cravate, oui, machin, la France, d'accord, ça, c'est pas des adultes, ça, c'est des gamins, c'est des mecs, voilà, ils se rendent dans des sectes, dans des trucs, hein, les banques arrivent, ok, toi, tu vas devenir président, non, mais j'ai pas envie, tu vas devenir président, tu vas te marier avec elle, mais elle a 20 ans de plus, je m'en cogne, ok, tu la fermes et tu vas devenir président. Mais, et puis, c'est des victimes, hein, c'est des victimes comme nous, hein, mais tout ça pour vous dire que là, vous, ce que vous allez devenir des adultes, il n'y a pas de victimes sur. Ça vient me dire que le monde a cruellement besoin d'adultes. Que la source a besoin d'adultes et que vous avez été formé pour ça, d'accord? C'est pas les forces spéciales qui débarquent à 6h du matin avec des pétards gros comme ça, pendant que le mec il est en train de dormir, blaah, grosse lumière dans la tronche, mais les mecs ils débarquent, ils sont là, boum, ils ont des pétards gros comme ça, voilà, c'est des gosses de riches, hein, comme disaient mes potes dans les forces spéciales, nous on est des gosses de riches, hein, je veux dire, on est là, on observe, on débarque à 5h du matin avec des pétards gros comme nos cuisses, comme nos bras, Et puis voilà, et puis on se régale, hein, je veux dire, la plupart du temps, voilà, on va faire on va faire des séminaires à droite à gauche, on va tirer dans les avions, on défonce tout, et puis voilà quoi. Mais tout ça pour vous dire que là, on vous parle pas d'enfants machin, là, on vous parle vraiment de vrais adultes. Donc ça veut pas dire que tous les mecs des forces spéciales en France sont des enfants, bien entendu. Et les mecs, venez pas chez moi, vous n'allez pas me défoncer pendant que je dors, bien entendu, hein, je veux dire, c'est bon, je vous kiffe.
Et je sais qu'il y en a parmi vous d'ailleurs qui regardent. Mais tout ça pour vous dire, mes amis, je vais revenir au reading, hein, que, parce que hein, là, on parle d'adulte. Donc adulte, c'est-à-dire qui vit en corrélation avec les étoiles, c'est-à-dire en fait qui médite, donc qui observe la conscience, pas votre conscience, mais la conscience. La conscience, c'est quoi? C'est tout ce qui est à l'intérieur et à l'extérieur de nous. Les guides me disent, tu vas te faire défoncer. J'ai exactement. Donc, la conscience, c'est tout ce qu'il y a à l'extérieur. C'est-à-dire, non, c'est tout ce qui est à l'extérieur et à l'intérieur. C'est ça la conscience. C'est les pensées, bien entendu, les émotions, les intuitions, la chaleur, les sensations, tout ça. Enfin, surtout les pensées. Quand on observe les pensées, le hiatus de non-pensée s'élargit. C'est ce qu'on appelle calmer le mental. C'est ce qu'on appelle développer sa psyché. C'est ce qu'on appelle aligner son mental avec sa partie physique, c'est ce qu'on appelait rentrer en contact avec le divin. Donc vivre de façon juste, de façon juste, de façon ordonnée. N'oubliez pas que la nature est ordre et quand le cerveau en fait vient, la pensée, la névrose vient comme un tel un virus s'immiscer dans l'ordre, et ben ça crée quoi? Le désordre. Hein. On mange, on tue, on détruit, on dit qu'on aime les poissons, alors on les pêche, on les bouffe, on zigouille, on charcute des animaux, c'est la boucherie sur la terre. On détruit le monde animal, on détruit le monde végétal, on détruit notre planète, on détruit Gaïa qui est vivante, hein, bien entendu, hein, Telos, Agartha, le centre de la Terre, ce n'est pas un noyau dur en fusion. Mais j'ai mis dans les écoles, je comprends Einstein, la théorie. Ouais, ben regardez aussi la Shell Theory, hein, la Shell Theory de Newton, hein, qui a été bien entendu complètement changée, qui a été adaptée à la sauce des grands Illuminati. Hein, regardez aussi, j'en sais rien moi, le voyage de l'amiral Byrd, tout ça. Enfin, je veux dire, renseignez-vous, quoi. Je veux dire, c'est pas les extraterrestres, c'est les intraterrestres. Hein. Pourquoi est-ce que vous croyez qu'il y a de la glace dans le nord et dans le sud? La glace, elle remonte pas à 10 millions de milliards d'années, machin. Non, non, elle remonte à, ok, à beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de ça. Je dirais peut-être bah, juste après le passage de l'amiral Byrd, hein, une fois qu'il est ressorti, les mecs ont dit bon, on va tout bouchonner, ils vont nous balancer une bombe atomique là-dedans. Peu importe. Renseignez-vous, renseignez-vous. Arrêtez d'être là, arrêtez d'être des enfants, quoi. Il est temps de devenir des adultes. Il est temps de se réveiller, mes amis. Et c'est exactement ce que vous êtes en train de faire, mes divines féminines, bien entendu. Exactement. Donc, allez voir le journal de l'amiral Byrd, La Terre Creuse, renseignez-vous là-dessus. Ou allez voir mon reading des Vierges, le journal de l'amiral Byrd. Vous cliquez dessous, vous avez un lien. Le journal de l'amiral Byrd, les Vierges, vous cliquez, vous l'écoutez, et puis vous commencez à vous renseigner dessus. Vous êtes des grands garçons. J'ai demandé à l'univers, j'ai rien demandé du tout, mais un message random. Nous avons l'énergie qui porte l'as de denier. Donc ça peut vouloir me dire que quelque chose de concret vient vers vous, comme par exemple une proposition concrète qui va bouleverser, changer les choses. Peut-être quelque chose que vous n'attendez pas. Donc vous n'attendez pas, donc vous n'attendez plus, et vous allez peut-être vous dire, putain, bon, alors est-ce qu'on reprend, est-ce qu'on reprend pas? Finalement, non, je suis déçu, j'ai pas envie, tout ça, le petit débarque avec son amour. Et vous y croyez pas, hein, vous y croyez pas. Ça veut me dire que vous n'allez pas vous précipiter, ça vient me dire qu'il y a quelque chose de nouveau qui vient à vous, quelque chose d'imperceptible, quelque chose de solide, quelque chose de puissant, mais vous allez prendre le temps. Peut-être parce que vous voulez aussi, c'est pas, vous voulez pas vous distraire, vous voulez prendre le temps. Vous voulez faire ça avec maturité, vous voulez faire ça avec... c'est bien les féminines, j'ai l'impression que vous êtes froid comme de la glace. You are as cold as ice, my divine feminine. You're willing to sacrifice, exactement ça. Non, you're not willing to sacrifice. Ça vient me dire que vous êtes des boss maintenant, vous êtes des gangsta shit. Non, mais ça vient me dire que vous êtes... Alors, ça vient me dire que vous avez appris à contrôler votre sensibilité. Ça vient me dire que vous êtes devenu un peu des diamants bruts. Le diamant, c'est dur, hein. C'est un diamant bien même taillé, hein. J'allais dire taillé pour la... Donc ça veut me dire qu'il faut pas... Ça vient me dire que vous êtes... Alors, ça vient me dire... Vous savez ce charme qu'avait un peu le dieu masculin? Celui qui est un peu dur, celui qui est un peu froid, celui qui est un peu machin, celui qui est un et qui... Et ben c'est ce que... Il vous a appris ça. C'est que dire maintenant, peut-être qu'avant vous aviez cette sensibilité, vous l'avez toujours. Mais vous êtes aussi fort, vous êtes aussi lucide, vous avez le regard perçant, vous êtes devenu de grands spartiates, mes divines féminines. Donc énormément de force dans ce reading, énormément de conviction, énormément de... Ce que je vois, c'est que ça chiale pas et que ça s'apitoie pas sur son sort. Et je trouve ça... Très très bien, c'est ce que je voulais entendre, c'est ce que je voulais voir, c'est pas forcément ce que je m'attendais à voir, c'est pas forcément ce que je m'attendais à entendre. Ça peut vouloir me dire qu'il y a des nouveaux débuts, il y a des trucs, pour l'instant c'est conflictide. C'est conflictide, il remonte à la surface le temps, hein, il remonte à la surface. Mais en tout cas, c'est genre, tu veux te battre? Tu veux te battre? Eh ben viens. Mais vous prenez plus la tête, maintenant c'est plus genre... Non, non, maintenant c'est plus ça, maintenant c'est... Voilà, vous voyez ce que je veux dire, c'est direct. C'est exactement ça, maintenant vous savez respirer, vous êtes là, tranquille, vous savez comme ils font les mecs, et là... Direct. Et ça veut me dire que il y a plus de... Non, non, là on joue pas là. Là vous restez tranquille et vous savez ce que vous avez. J'ai l'impression que maintenant vous êtes en maîtrise, hein. Vous êtes en maîtrise, hein. C'est exactement ça. Vous êtes en maîtrise. Allez, je vais tirer trois cartes, hein. Puis, mais je sais ce que vous allez me dire. Ouais, Jay, tu nous as un peu graissé la patte sur cette guidance, machin, parce que je vais pas si bien que ça et tout ça. J'ai pas voulu mettre mon ego là-dedans, hein. J'ai pas voulu forcer les choses et tout. Je sais que c'est difficile, je sais que... Mais en même temps, ce que je vois, c'est une certaine force. Je sais que ce que vous vivez, c'est pas facile, mais ce que je vois, c'est que...
c'est que là, il y a l'esprit du guerrier qui est là. Et ça, je trouve ça plutôt cool. L'amour, rien n'a changé. C'est une carte 5, néanmoins, c'est une carte de conflit, mais c'est une carte de voyage, c'est une carte de 5, 5 Tartaro, bien entendu. C'est... Cessez de croire qu'il ne vous est pas... Cessez de croire qu'il vous est impossible de vous aimer. Peut-être qu'en ce moment aussi, vous avez du mal à vous aimer, les féminines. Vous n'êtes pas né avec cette croyance. Lorsque vous étiez enfant, vous vous aimiez sans raison apparente, et puis depuis, dans votre fort intérieur, rien n'a changé. Exactement, le masculin, il a eu beau vous piétiner, j'allais dire malgré lui, hein, parce qu'il n'est pas méchant, hein. Mais ça vous a fait très mal, hein. Ça vous a fait très mal. Mais rien n'a changé, les féminines. C'est ça la force, la vraie force. Vous êtes toujours amour. Il y a ces belles énergies de chakra couronne. Là. Je vais vous mettre une baleine qui danse dans les étoiles. Cessez de croire que vous souffrez d'hypersensibilité. Alors, je me disais, ouais, peut-être que le reading, il est peut-être pas si bien, que je suis peut-être pas si bon. J'ai allégué, il me dit, c'est bon, que je suis peut-être plus GG, je suis peut-être là, je suis peut-être un peu de... Écoutez ça. Hypersensibilité. Qu'est-ce que je lui ai dit que c'était votre pouvoir? Cessez de croire que vous souffrez d'hypersensibilité. Je vous l'ai dit dans le reading ou pas? Je l'ai senti. Ouais, Jay, tu lis les cartes comme un boss, comme un dieu et tout. N'oubliez pas mon lien PayPal. Cette croyance découle uniquement d'une comparaison avec autrui. Mais puisque vous êtes unique au monde, votre sensibilité est totalement accordée à votre fragrance naturelle et à ce que vous vivez. Alors, embrassez ce don et utilisez-le à bon escient. Of course, use it, my amazing friend. Toutes ces roses de l'univers qui se font parvenir à vous, mes divines féminines. Donc je trouve ça plutôt cool. Et pour terminer, les outils du bien-être. Si vous appliquez la pensée positive, vous êtes systématiquement confronté à des pensées négatives. Si vous utilisez une technique de guérison, la maladie doit réciproquement être présente. L'équilibre. Mais que se passerait-il si vous lâchez tous vos outils de bien-être? Eh ouais, on fout tout ça à la poubelle et on avance. Of course. Ça m'a fait extrêmement plaisir de vous faire ce reading, les féminines. Ça m'a fait extrêmement plaisir. Je vois que vous êtes porc. Je ne suis pas juste un coach sportif qui est là pour vous dire hey, « on y va là !» Non, non. S'il y avait des trucs à dire, je vous ai parlé de l'hyper... Bon, bref, vous m'avez compris, les féminines. C'était rapide, succinct, précis. Et c'est exactement ce que vous vivez en ce moment. Je ne vous lâche pas. Je continue à faire des vidéos tous les jours. Hein, regardez par exemple le bélier si vous voulez savoir le décisionnel de la divine féminine, hein, la maison 1, le taureau si vous voulez savoir le monde du divin masculin, le gémeau si vous voulez savoir le soleil, le cancer, le soleil 1, vous savez comment je fonctionne, hein, d'accord? Pour ceux qui ne connaissent pas, vous allez regarder les 12 signs, vous allez comprendre les premiers 12 signs. Bref, je ne vous lâche pas, tous les jours je suis là, je vous accompagne, je suis fasciné par les énergies, on vit ça ensemble, bien entendu. Mes divines féminines, je vous dis à très bientôt sur 5 Star Tarot. Namaste, my friend, I love you guys.